Enfin, pour terminer ce numéro de Protestants parlons-en un peu spécial, nous recevons aujourd'hui Alain Audercet. Il nous parle de sa nouvelle bande dessinée, Les indécrottables questions, le bien, c'est pas mal. Je vois beaucoup de misère, des fois dans ma vie, des fois dans la vie autour de moi, et j'essaye d'amener une richesse. Mais c'est pas que moi, c'est pas moi qui suis cette richesse. J'ai trouvé Dieu dans ma vie, et j'ai une richesse énorme, j'ai accès à une source superbe. En fait, on en a tous accès, c'est juste que j'ai trouvé l'adresse, quoi. Et du coup, j'essaye d'amener quelque chose aux gens. Donc, oui, ma BD, elle peut aider des gens, quoi. Ouais. Bon, c'est clair que moi, je suis influencé par la Bible. Pour moi, la Bible, c'est ma base, quoi. Et donc, je pense que j'essaye d'expliquer que les valeurs qui sont dedans, quand on te dit qu'une chose est mal, qu'une chose est bonne, ça peut vraiment t'aider à être bien dans ta tête. Oui, je suis un dessinateur engagé, chrétien, tout ça, mais je dessine pas pour les autres chrétiens. Je dessine vraiment pour les gens qui n'ont rien à battre, les gens qui n'ont pas de religion. Monsieur tout le monde d'aujourd'hui, j'aime beaucoup ces gens parce que ils pensent qu'ils n'ont pas de religion, mais ils en ont une quand même. Ils pensent qu'il y a quelque chose et tout ça. Et moi, j'ai pas envie de faire un truc de niche pour les croyants et tout ça. Je m'adresse à eux, je leur montre juste un chemin différent que ce que les médias, que ce que l'école, que ce que tout leur dit. Puis je leur dis, ben, il existe d'autres trucs, quoi. Et puis j'essaye de pas être trop bizarre par rapport à eux. J'essaye de les prendre de là où ils sont et leur montrer d'autres horizons, quoi. On est quand même dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'espoir et tout ça, et moi j'en ai plein, alors voilà, j'ai profité.